J'aime bien prendre item grab bag en early. Oh mon dieu, Titan Redemption. Alors ça, c'est un mecha de zinzin. Sinon, on peut jouer une game cam et reroll. Et je suis très sérieux. Je suis mat. Oh. Bien vu. On a... Par contre, on a vraiment une game de zinzin. Je suis très sérieux. On a un truc qui stack 50 HP par round. Et on le pose tour 1. On a déjà une Titan pour notre Camille. On a des bons items. On pourrait reforge un truc ou deux, mais... Je suis pas fan de reroll Camille, mais là... Là, c'est trop gratos pour refuser, je sais pas. Non, ça a trop de value pour refuser, hein. En plus, on a rédemption et on stack dès le tour 1. Bon, on trouve là le blanc en plus. Oh là 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 là, si on a une spat les gars, je cours dessus, on fait spat admin. Hein. Est-ce qu'on fait un statique? Vas-y. On peut peut-être sauver des points de vie avec ce statique. Tu gardes pas pour Blue Buff, JNCR, Soraka? Non. Je vais roll au 6 en fait. Soraka, je la trouverai pas tout de suite. Bordel, le fichier. Go cloak, en vrai on aura besoin de plusieurs cloaks. On aurait aussi pu une Nico Leblanc pour Spike, mais... Un gant, ok. Un spell crit. Et BT, ok. Cette game s'annonce vraiment bien. Si on a augmente Camille ou augmente Leblanc, on est vraiment bien. Et si on n'a pas augmente Camille ou augmente Leblanc, ça veut dire qu'on aura peut-être du 4 cost ou du 5 cost. Ça veut dire qu'on pourra avoir Soraka ou Leona en 3-2, en 4-2. En tous les cas, ça m'arrange. Le stack l'admin sur 2 Camille, non tu peux pas. Ah bah... Ah bah... On joue pas Annie. Normalement on peut jouer avec Annie hein. C'est quoi l'augmente que j'ai eu? C'est exec rétribution en gros, la team fait 10% de dégâts de plus, plus 5% à chaque fois qu'un allié meurt. Et souvent les fights tout le monde meurt et Camille reste en dernier donc elle récupère les dégâts de tout le monde. Mais en plus de ça elle booste toute l'équipe donc c'est plutôt stylé. Attends mais il a 0 item lui, ah, il est niveau 750 gold. Pourquoi il slam pas genre Runan BF?
Il a une Sivir 2. Pourquoi il slame pas genre GS ou Runan ou... Je comprends pas. Il peut faire Runan Deathblade. Bizarre quand même. Armure et on fait Sunfire je pense. Il veut peut-être la Swisper, hein. Ouais mais bon. Des fois c'est mieux de slam des items plutôt que d'attendre éternellement d'avoir Beast sur ce que tu veux, tu vois. En plus il le met sur Senna alors qu'il a Sivir 2. Vraiment il fait n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça, Poppy 3? Il fait Poppy 3, Wukong 3. Avec une Shojin. Ouais, il espère jouer... Ah il fait Lulu 3 aussi? Oh ça, où est-ce que j'ai atterri là? Dans une game prismatique en plus. En plus il joue la forge. C'est-à-dire qu'il prend un truc de scaling, mais... Il est en train de rêver cet individu. Hop. Annie. Non, on peut pas jouer Annie. J'aimerais jouer Annie. C'est peut-être plus fort que Vi, mais... Ah. Je roll un peu parce que j'ai 4 wins et je peux pas level, donc... Je me dis peut-être que je peux trouver Vi 2 ou le Blender, un truc comme ça. Et au pire, on trouve plus de Camille. À tout moment, on en trouve beaucoup et on peut Nico pour faire Camille 3, mais... Sans une Sunfire, lui, je ne peux même pas espérer de le battre, mais... Ah, ça peut peut-être passer. À voir. Ah, il a un sacré Blitzcrank, hein. C'est dur de le passer. C'est fine, je me doutais que ça passerait pas. Et ce machine, c'est Tian. C'est qui, Tian? Je sais pas qui c'est, mais... Et... Peut-être que ça marche comme ça marche de jouer comme ça sur un autre serveur, mais... Ici, c'est fast bottom de jouer comme ça. Pas le blanc. Senna 3. Attends, moi j'ai une Nico et j'ai même pas ma Camille 3. Même pas le blanc 2. Le mec à Senna 3, il lui reste 40 gold. Frère, il triche. J'aime trop jouer à la roulette, hein. Le 1 est cool. Change Nico et j'avance, hein. Je fais pas Vi 3 du coup. On peut essayer, hein, mais... Pourquoi ça Kai'Sa, frère? Ouais, mais Kai'Sa elle se barre pas au bout du monde comme ça. Longtemps que je suis abo... Ah, ça fait longtemps, ouais. Ok, enfin. 50 AD. 50% de chance de drop un gold. 50 AP. 50 AD. Ok, je trade. Le fait de dash en backline contre 50 AD, je pense que c'est ok. Enfin, 50% AD. Donc en réalité, sur Camille, ça équivaut à 70 d'AD.
pense c'est acceptable. 7-2, Samira 2, MF2, et il a trouvé le Mordekaiser. Ah bah ouais. Ah, ça joue bien. Oh merde. Après, il est un peu fatigué son mecha. Hein. Peut-être le blanc peut faire un truc. Golden ticket pour faire Titan Draven 3. En fait, la plupart des carry range peuvent pas tuer ma Camille parce que j'ai Celestial BT et elle a stacké trop de points de vie. Mais les trucs qui ont beaucoup de DPS et qui ont GS et des trucs comme ça peuvent la tuer, donc faut faire attention quand même. C'est trop clean, c'est pour les 29 mois. Oh, GS maybe. Double Titan. Attends. Alors on peut faire GS le blanc pour tuer les frontlines chiantes et on peut faire double Titan. Sinon on peut faire IE. Mais si on fait IE, ça nous laisse des items de merde. J'aime bien double Titan et... Wait. C'est pas ça que je voulais. J'ai trop hésité. Attendez, du coup je vais reforge ça. Non, on fait Shojin GS. Shojin GS. Très bien. Merci pour X, merci pour les 1 an. Il faut vraiment que je trouve hacker fast. Je vais mourir parce que je trouve pas hacker. Alors lui. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est pas admin, c'est littéralement une faune parce que son raka sert à rien. C'est quoi ces deux Vel'Koz de mort là? Enfin bordel. Je pense que c'est Vi qui saute.
survie. I can't believe it, man. Top 2 encore. Lui il a vraiment une game de fou avec son March of Progress, il a trouvé toute sa comp naturelle. Je jump là, comme ça il a le cone à droite, à gauche. Et il se fait pas tanker par Fiddle. C'est le Vel'Koz qui casse les couilles en vrai. Le reste c'est gérable. Par contre il est one of Zac 3 non? C'est fatigant hein. Gros. C'est une dinguerie sa game, je te jure que c'est une dinguerie genre. Il fait tous les 3 stars du jeu. Ok. Top 2, c'est bien. Il a trop. C'est juste beaucoup trop aérole. On ne peut pas lutter.